Bonjour à tous les Pokéfans, vous avez la banane? Moi ça va bien. Enfin de retour sur le jeu Stranger Deep. Et ça fait un petit moment, je ne connais plus mes touches. Voilà. Toujours le bruit de baguette, on rappelle, un jeu en accès anticipé. C'est une sorte de démo, enfin une sorte, oui, c'est une démo, tout simplement. Et on s'était quitté avec le cordage. Alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me fabriquer avec tout ça? E, c'est pour le prendre. Ah, il me faut tout ceci. Il me fait une hache, excellent. Et j'ai vu qu'avec les deux pierres, un bâton, tu vas me faire, tu vas me faire, tu vas me faire. Allez. Un marteau. Ben, tant mieux tout ça. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin du coup? Bon, les pierres. Et le bois, pareil. Et du coup, ah. On peut se couper du bois. Ah, oui, forcément. Il y a une durée de vie, mais c'est nettement mieux que mon petit couteau de survie que j'avais avant. Hein. Non, j'ai beau cliquer plusieurs fois, ça va pas plus vite. Il va falloir être patient. Voilà. Donc ça, il va m'en faire des planches. Allez, coco. Voilà. Oui, il va falloir que je récupère les pierres aussi. Pour pouvoir rallumer mon feu. On coupe, hey ho, hey ho. Moi je coupe du bois. Alors les feuilles, je sais toujours pas à quoi elles vont servir, les feuilles de palmier. Alors tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas se nettoyer le derrière avec parce que c'est super irritant. Donc je m'y tenterai pas. C'est l'heure qui défile, ok. Donc j'ai encore un peu le temps avant la nuit. La tête de palmier qui danse. C'est magnifique. Allez. Et tu coupes. Voilà. Alors. Ça tu veux pas couper. Ça non plus tu ne veux pas le couper. Hein? N'empêche que le temps défile assez vite. Ça me fait assez peur. Donc ici. J'ai laissé mon canoë. Hop, alors est-ce que je peux tout déplacer? Ouais. Bon, on va tout ramener là-bas, ça sera nettement plus simple. On va se mettre au centre de l'île. Hop, dégage, voilà. Allez, vite. Qu'il fasse nuit, on va essayer d'en recouper encore un petit. Bizarre que le bonhomme a même pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de dormir pour se reposer, non. Ah bah en plus elle tombe. Par contre tu vas pas dans l'eau s'il te plaît.
Hein, je sais pas si t'es là, c'est que t'as une utilité. Donc on va mettre ça, ouais, avec, on va faire un côté bouffe. Voilà, toi aussi tu reviens. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, je fais de la lévitation. Waouh. Je crois que je cours un peu moins vite. Donc il y a quand même de la fatigue. N'empêche, les images, je les trouve magnifiques. On n'a pas besoin d'un PC de ouf. Hein, encore une fois, mon PC, c'est pas un dernier cri, c'est pas une nouvelle génération. Et le jeu, je l'ai quasi poussé au max. Il doit être en high et il y a encore une qualité au-dessus. Une qualité au-dessus, pardon. Voilà. Donc il y a moyen de mettre encore mieux, j'imagine. Alors, j'avais un feu campfire. 5 sticks pour le rallumer. Allez. Ah, c'est pas le rallumer, c'est en fait le repos en reposer un autre. Ok. Ouais. Du feu. Ça marche pas. Les patates, si je les mets dans le feu. Ah. Et si on se bouffait un crabe? Non, il a pas envie. Alors j'entends des bip bip. Ah, j'ai survécu un jour. Peut-être que c'est ça, il faut survivre le plus longtemps possible. Moi j'ai de belles cicatrices. Bon, en même temps je viens de tomber d'un crash, hein, c'est un peu normal. Ouh, une hache volante. Faut pas avoir peur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on continue, on coupe. Tac, tac, tac. Et après, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec mon marteau. Parce que j'ai pas de clous à planter. Oula. J'ai pas de clous à planter et hormis taper sur la pierre. Ouh, il y a de la fumée. Donc, hormis taper sur la pierre pour je sais pas. Alors au passage, j'ai entendu un bruit de micro-ondes. Est-ce que c'est ma patate qui est cuite? Voilà, oh, on se calme. Campfire, bah non, je peux rien rajouter. Potato. Potato. Ça veut pas. Ah, les crabes. Non plus. Turlututu. Donc on est bien d'accord. Bah. Donc du bleu, à mon avis, je peux pas taper. La noix de coco, le crabe. Ça non plus. Et bah les pierres. J'ai envie de dire. Non, même pas, il veut pas taper. Ah. Ouh. Ouh, mais c'est quoi tout ça?
aiguille, bâton, ok, il me fabrique ça. Sauf que, on va se mettre où? On va se mettre là, comme ça. Alors, comment je le pose? Ah, voilà. Donc ensuite. Non, il veut pas taper dessus. Ok. Alors, rejette-moi tout ça. Vas-y, laisse les cordes par terre. Comme ça. Mais oh, ça va venir, vous inquiétez pas, au bout d'un moment. Non, E c'est prendre. Ok. Donc. Non, c'est gelé. Hammer gelé. Fish trap. Ou fish. Piège à poisson. Oh, je kiffe. Mais c'est quoi ces bips? I have to eat something. Ah, c'est parce que, ok. Et attends, hop. C'est pas écrit sur la montre ta vie, ta barre de santé là, je sais pas, non? Ah. Comme quoi, suffit de chercher un peu. Ouais, bah ça fait pas grand chose hein, tout ça. Va falloir trouver autre chose à manger. Je peux rien faire avec ça. Alors. Non, on va rien faire. Alors. Avec tout ça non plus, pour le moment il ne veut rien me proposer. J'ai mis mes cornes avec et tout. Et là toi tu me proposes quoi? Un camp, enfin, camp de fun? Bah non. Je l'ai déjà. Allez, continuons. Ah, va peut-être falloir que je retrouve du cordage. À mon avis, il faut que je continue de faire une petite maison. Alors, en même temps, faire une maison. Je sais pas, j'ai pas envie d'habiter ici, moi. Il a décidé de taper celui-là. Alors on va taper celui-là. Allez. On continue de faire des petites planches. Mon petit Robinson Crusoé est trop fort. Il arrive à faire des planches. Dans si peu de tronc. Voilà. Tiens, après, faut que j'aille refaire un tour de l'île, voir si je retrouve pas d'autres trucs pour du cordage. Parce que là, à tous les coups, j'ai utilisé le peu que j'avais. Puis à mon avis, il va retrouver ouais, quelque chose de bien consistant à manger. Ah, et si je mettais des crabes dans mon trappe à poisson, histoire d'attraper du gros poisson. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Non, forcément. Un camp de feu, ben non, j'en veux pas, je te dis. Patate. Mais je veux
pas les bouffer, je veux la planter, ta patate. Coconut, ça pareil, il va bien falloir que j'arrive à l'ouvrir et à la boire. En fait, non, ouais, c'est qu'il en a besoin pour taper. Mais. Et mon feu s'est éteint. Ouh. Oh. Donc j'ai des fondations. Ouais, c'est bien. Ah, c'est que j'ai le marteau, ok. Excusez-moi. On récupère le tronc. Pom, balam. Parti pour tout récupérer. Il y en avait un deuxième. Ouais. Ah, t'es encore un peu petit. Ok. Il doit y avoir quelque chose dans le bateau après. Oh, on peut aller jusqu'à l'île là-bas. J'ai toutes les noix de coco qui tombent. Pour le moment, de toute façon, je sais pas à quoi elles me servent. Une jambe en essayant de taper dans le vide comme ça. Je te sens venir, mon petit. Alors, noix de coco. Ouh, mes jolies noix de coco. Allez, on récupère. Oh, désolé, c'est pas formidable encore une fois cet épisode. Et d'abord, on va essayer de regrouper toutes les matières, toutes les ressources de l'île. Et puis après, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Il va me rester à peu près 2 minutes. J'ai le temps de couper, ouais, à peu près tous les arbres. Les noix de coco, non. Franchement, si je trouve une utilité, que voilà, j'en ai vraiment besoin, oui, je les récupère. Mais là, pour le moment, je sais pas. Il veut pas les ouvrir, il veut pas boire. Donc petit bonhomme, on va lui dire va t'amuser ailleurs. Ok, et j'ai pas de poisson et il commence à se faire faim. Bah ouais. Si on allait là où il y a du vrai poisson. Hein? Dans le corail. Ah oui, non, c'est le reflet de mon... C'est mon reflet. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Donc, ben, sur ce magnifique épisode, encore une fois, très passionnant, très passionnant, désolé, faut que j'articule. On va se laisser là, et puis je vais vous dire à la prochaine fois. See you next time. Ciao, ciao.